Good morgen, allez, Yidan et Sutra, aujourd'hui, le Neshmatraya, Esther, Bat Miriam, Moshe Michel, Ben Machlouf, Ve Anin Bachla Rachel, Yaakov, Ben Levana, Ve Yosef Akab, Peggy, Bat Esther, et Robert Baruch, Ben Jamil, Tarab. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contre les 5 minutes éternelles, nous ayons Maseret Eruvin, Perichet Mishnah Alef, Keitzad Mishtat Fin Batrumin, Maniach et Echavit, Ve Omer, Areze Lechol Bene Iri. לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, וכל מי שקיבל עליו מי בעוד יום, מותר, משתחשך אסור, שאין מערבין משתחשך. Et on traduit directement, כיצד משתתפין בתחומין? Comment est-ce qu'on fait le עירוב תחומין? Comment est-ce qu'on s'associe dans le עירוב תחומין? En fait, on va parler de quelqu'un qui est consciencieux, qui veut aider les gens de sa ville, à pouvoir sortir de la ville, comme la Mishnah explique. Maniach et Echavit, il va poser le tonneau, on va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau ensuite, Veomer, et il dit comme ça, Arezé l'Echol Beneiri, je le fais acquérir, j'en fais acquisition, je le fais acquérir, pas une tierce personne, à tous les habitants de ma ville, l'Echol Miche Yelech Lebet Evel, pour tout celui qui voudra partir à la maison des endeuillés, ou Levet Amishté, ou partir à la maison des mariés, là on fait un festin, en fait c'est un mitzvah, une soudat mitzvah, et dans ce cas-là, vechol mi shekibel alav mi beodium, et tout celui qui va prendre, recevoir, c'est-à-dire qui va prendre sur soi d'utiliser le hérouv mi beodium tant qu'il fait encore jour, moutar, alors il pourra s'appuyer sur ce hérouv. Par contre, micheter char, si il a attendu la tombée de la nuit, alors assour, ce sera interdit, il ne pourra plus s'appuyer sur ce hérouv, pourquoi? Chen Mervin Meshetershar, parce qu'on ne peut pas faire le Hérouf depuis que la nuit, depuis le moment où la nuit tombe. Et on explique un petit peu comment on parle, c'est vraiment simple. On est en train de parler maintenant du Hérouf Troumine, à savoir, comme ce que vous savez maintenant depuis le temps, si je veux sortir en dehors de la ville, j'ai un domaine initial de 2000 amas en sortant de la ville. Si j'ai envie de partir à 4000 amas, alors j'ai la possibilité de poser un Hérouf. Je renonce aux 2000 qui sont au sud pour pouvoir prendre 2000 supplémentaires au nord, d'accord? Ou à l'est, ouais, enfin peu importe quoi. C'est-à-dire, je décide que maintenant, je vais pouvoir partir dans cette direction-là, en renonçant à mon droit que j'ai là-bas. On apprenait dans la Mishnah précédente, la fin du périple précédent, qu'on ne peut pas faire un Hérouv sans l'accord de quelqu'un. S'il n'est pas au courant, je ne peux pas faire un Hérouv. Pourquoi? Parce que ça s'appelait un Chov. D'accord? C'est quelque chose qui a une certaine contrainte, puisque ça vous demande de renoncer de l'autre côté de la ville, qui dit que vous êtes intéressé, je ne peux pas le faire sans vous, sans votre accord. Hier, j'utilisais le terme de se vous concerter, c'est pas exact, parce que là on va découvrir dans le chat que c'est pas la peine de vous concerter exactement. Mais il faut que, au moins que vous soyez d'accord avant Shabbat. Je peux pas faire sans votre, sans aucun gré de votre part, quoi. Je peux pas décider d'un hérouf. C'est le principe essentiel de la Mishnah. Mais dans la Mishnah, bien sûr, elle détaille ça de manière un petit peu plus complexe, un peu plus précise plutôt, je dirais, et en me disant d'abord deux choses. D'abord, premièrement, l'insistance sur le fait que finalement, on va quand même parler d'une personne qui va vouloir faire acquérir le hérouf pour tous les habitants de la ville sans les concerter. Mais quand même, il va falloir, soit vendredi après-midi, à 1h d'après-midi par exemple, Shabbat il rentrera à 5h, 6h, 7h, je vais prendre un tonneau. Alors dans un tonneau, ils expliquent à Mefarchim, dans les tonneaux ils mettaient toutes sortes de fruits secs, d'accord, un tonneau ça ne veut pas forcément dire du vin, ça peut être du vin, ça peut être du pain, ça peut être des figues, ça peut être des fruits, on peut faire plein de choses pour faire le hérouv, le hérouv troumine, et je prends et je l'amène quelque part avec une tierce personne. Et je lui dis, s'il te plaît, acquiert ici pour tout le nombre d'habitants de la ville nécessaire qui voudront utiliser ce hérouv. Il y a de quoi à faire pour 100 personnes même, d'accord, qui vont pouvoir maintenant, s'ils veulent partir dans cette direction, en me précisant, hein, donc je dois le faire nécessairement par l'intermédiaire d'une tierce personne. Il y a maintenant, malgré tout, donc là je suis en train de faire sans vous concerter, mais il faut que malgré tout, avant l'entrée du Shabbat, si vous allez réaliser que vous allez avoir besoin, d'abord je parle de manière grossière, après je précise davantage, vous allez réaliser que vous allez avoir besoin de partir dans la direction de la ville, vous pourrez, même si vous n'avez pas fait de hérouf, le hérouf que moi-même j'aurais fait sans vous concerter, puisque maintenant vous avez pris conscience de la nécessité de partir, alors le hérouf va fonctionner pour vous, il va être actionné. Par contre, si vous ne réalisez pas la nécessité, vous prenez pas, vous ne savez pas qu'il fallait partir là-bas. C'est que le vendredi soir, lorsque vous allez passer à la synagogue, on va vous raconter que
Réhouven, il a perdu sa grand-mère, il va falloir aller lui faire passer le Shabbat un petit peu avec lui pour l'assister un petit peu. Donc là, vous n'avez pas su avant Shabbat. Si quelqu'un vous dit, ah, c'est bon, j'ai posé un Hérouv vendredi après-midi déjà, pour tout celui qui en aura besoin, vous ne pourrez plus en profiter. Pourquoi vous ne pourrez pas en profiter? Parce que vous n'avez pas pris conscience, vous n'avez pas pris connaissance du Hérouv avant Shabbat. Je parle de manière grossière, après je précise davantage. D'abord, j'explique le principe général en prenant les deux extrêmes étapes, on va préciser davantage. Donc je répète encore une fois. Faire un Hérouv sans vous concerter du tout et que vous allez prendre conscience, connaissance du Hérouv que après la tombée de la nuit du Shabbat, ce sera trop tard. Trop tard. Parce que c'est pas quelque chose que je peux faire sans votre accord. D'accord? Maintenant, malgré tout, la Mishnah me prend quelque chose de super, c'est que je ne suis pas obligé d'avoir votre accord au moment où je fais le Hérouv. Il suffit que je fasse le Hérouv sans vous demander même. Mais que dans l'après-midi, vous allez apprendre dans l'après-midi, avant l'entrée de Shabbat, vous allez apprendre que Réhouven, il est en ce moment en deuil. Et vous allez pouvoir partir l'assister, en deuil, ou bien si Réhouven, il s'est marié aussi, bien sûr, on n'est pas obligé de parler que du mal. Et donc il s'est marié, et puis vous allez vouloir le rendre visite le Shabbat après-midi. Ah, puisqu'on est encore vendredi après-midi, c'est encore le moment de faire un Hérouv. Si c'est le moment de faire un Hérouv, alors le Hérouv que j'ai fait sans vous concerter, il va marcher pour vous. D'accord? Là, sur ça, ça marche. Mieux que ça, maintenant, là, je précise davantage. Même si, au moment où vous avez su que Réhouven, il s'est marié, ou que Réhouven, il est en deuil, ou il est bêta evel, ça s'appelle, alors, vous n'avez pas encore réalisé que vous allez partir Shabbat après-midi. Mais vous avez quand même pris connaissance qu'il y a une bonne raison de partir. Sans avoir fait le lien que j'ai un Hérouv et que vous allez pouvoir concrètement partir, vous allez concrètement pouvoir, d'accord, aller le voir pendant Shabbat. Donc vous n'avez pas pensé à acquérir le Hérouv. Malgré tout, ça fonctionne. À cause des règles de Bréra, on ne va pas rentrer dedans, c'est un peu plus trop compliqué à expliquer. Mais parce que maintenant, le fait qu'il y ait un potentiel, le fait que d'abord, moi j'ai mis quelque chose de concret, avec vous un potentiel de décider de partir, ça fait que quand, lorsque vous allez décider de partir, alors on va considérer que rétroactivement, ça a été fait pour vous, et j'avais votre aval, pour activer le Hérouv, même si vous n'étiez pas grand. Même si vous n'avez pas encore réalisé que vous vouliez l'utiliser. D'accord? Par contre, si vous n'apprenez même pas que Réhouven, il s'est marié ou qu'il en deuil. Donc du coup, l'an Shabbat y rentre, vous n'avez aucune intention de... Vous ne prévoyez pas du tout de partir. Après, vous apprenez pendant Shabbat, alors là, ça ne marchera plus. Mon Hérouv que j'ai fait dans l'après-midi pour que vous puissiez l'utiliser. Une dernière petite précision, deux précisions en fait importantes. Non, une d'abord, j'ai expliqué que l'histoire du tonneau, en fait, c'est parce que tous les fruits de l'époque, ils les mettaient dans un tonneau, ça on l'a déjà dit. Et la précision importante, si vous faites attention, on n'a parlé que le bêta à Evel, le bêta à Michelet, partir à une maison d'endeuillée ou partir à une Seouda Tratanim, qui sont tous les deux des choses de mitzvah. À exclure, si on va juste rendre visite, pour rendre visite, faire plaisir, rigoler, passer du bon temps, on a le Hérouv Troumine ne marche que les Dvar Mitzvah. C'est rapporté dans le premier Bartonois. Vekalemalan, En me Arvin Hérouvé Troumine, et là les Dvar Mitzvah. On ne peut faire un Hérouv Troumine que pour un besoin de Mitzvah, en l'occurrence, partir aider l'autre, le soutenir, se réjouir avec lui. D'accord? Dit de Ve'avtal Rachkamora. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol. Tout cela.